Bonjour les passionnés, bienvenue dans l'épisode 2 de la construction d'un réseau miniature de train à l'échelle N. Au sommaire d'aujourd'hui, deux parties. La première, la structure du réseau. Et la deuxième partie, la pose de la voie. C'est parti! Pour la structure du réseau, j'ai utilisé des grandes plaques de contreplaqué de 10 mm. Donc ça pour le module gauche de la gare cachée, pour le module du fond, les viaducs, et le troisième module à droite qui concerne la gare. Pour ce qui est des rampes et rampes hélicoïdales, j'ai utilisé du contreplaqué de 0,5 cm, du 5 mm, parce que je trouve que c'est plus malléable et plus souple à travailler dans les courbes. Au niveau du fond de décor, j'ai utilisé du MDF d'une épaisseur de 5 mm. Pour fixer mes modules, j'ai utilisé des rails que j'attache au mur et ensuite je fixe le réseau dessus. Donc ce sont des rails en angle. Et pour le support du fond, le viaduc et le support de gauche de la gare cachée, j'ai utilisé des grands supports qui me maintiennent la planche, des supports avec des renforts. Et pour le module de droite de la gare, qui est un peu plus profond, puisqu'il fait 82 cm de large, j'ai utilisé deux grands pieds qui permettent de supporter le tout. Et sous tous les modules, donc modules 1, 2 et 3, j'ai mis du tasseau de 22 mm tout autour pour faire un cadre sur les trois modules. Et les modules qui étaient plus longs de 80 cm, j'ai mis des traverses tasseau de 22 mm pour renforcer le tout. Pour la pose de la voie, il faut différents matériels. D'abord, il faut du matériel ferroviaire. Donc, en matériel ferroviaire, on trouve des éclisses conductrices, des éclisses isolantes, du rail flexible et des aiguillages. En matière première, j'utilise du liège que je découpe au ciseau parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique et de la colle blanche. En accessoire, j'utilise des tringles en équerre et une barre en métal qui me permet de pouvoir faire de grandes lignes droites. Je vous expliquerai le fonctionnement tout à l'heure. Ainsi que des épingles. Et en outil, j'utilise une dremelle avec un disque à tronçonner, des ciseaux pour découper le liège, un cutter pour ébavurer les rails et enlever les petits champignons, les petits ergots pour faciliter l'emplacement des éclisses et un pinceau qui me permet d'étaler la colle vinylique, la colle blanche. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de l'épisode 2. On est parti, on va poser de la voie. Alors ici, mon liège, c'est pour une double voie, c'est sur mon premier viaduc. Donc j'ai coupé le liège d'une largeur de 5 cm pour pouvoir mettre une double voie. Et je l'ai au préalable encollé avec de la colle à bois, de la colle blanche vinylique. Une fois que celle-ci est collée, au niveau de mes jonctions, j'utilise une petite râpe afin d'éviter les petites bosses. Comme ça, ma voie que je vais poser après sera bien pleine.
Voilà, comme ceci. Afin d'avoir les bons gabarits au niveau de mes courbes, au niveau du liège et pour me faciliter la tâche après pour coller les rails au niveau des rayons. Donc moi, au niveau rayon, j'utilise du R2 ou du R3 pour les voies cachées et pour les voies qui sont en extérieur, j'essaye toujours d'utiliser un rayon maximal. Voilà. Donc je me suis fabriqué un compas. Voilà. Tout simplement, et ça me permet de pouvoir faire mes contours, hein. Donc j'ai ma base et puis après je tourne et ça me permet de pouvoir fabriquer et découper mon liège. Voilà, le liège que je découpe personnellement une fois que j'ai fait mes tracés, que je découpe au ciseau parce que je trouve que personnellement avec des cutters ça déchiquette un peu le liège, donc je préfère faire mes coupes au ciseau. J'utilise de la voie PECO flexible de 91 cm en code 80. Donc quand vous avez des courbes à effectuer, forcément, au bout du rail, la jonction ne sera pas en face. Donc il va falloir le couper. Donc afin de bien couper le rail, je pose mon rail, je pose mes éclisses. Si j'ai un petit trou entre les deux rails qui ne sont pas bien joints, il suffit donc avant de le coller, de le pousser pour rattraper le jeu. Après, j'accompagne le rail au niveau de la courbure voulue. Une fois que j'ai obtenu ma courbe, je fixe ma voie avec des épingles afin qu'elle ne bouge pas. Voilà, j'en mets de part et d'autre, comme ceci. Et là, mon bout, je vais pouvoir maintenant couper à ce niveau-là pour que mes deux rails soient bien en face, afin que je puisse apposer et mettre le rail suivant. Allez, on attaque la découpe du rail. Donc, surtout, bien tenir votre rail fermement, parce que sinon, avec la puissance de la découpe, le rail risque de sortir de ses champignons et après, bah, le rail il est mort, vous pouvez le changer. Donc allez-y en essayant d'être le plus horizontal, vertical, pardon, possible et c'est parti. Je relâche mon rail. Je prends un cutter et j'enlève les petits champignons extérieurs qui va me permettre de pouvoir bien mettre les éclisses. Sinon, vous ne pouvez pas les mettre jusqu'au bout. Après, ça risque de gêner. Voilà, donc j'enlève les quatre petits ergots. Voilà, le rail est pas trop mal. Ensuite, avant de mettre l'éclisse, avec un cutter, je passe avec une lame par en dessous afin de pouvoir enlever, voilà, la traverse extérieure, comme ceci. Voilà, je la retire. Comme ça, j'ai plus de facilité à travailler. Toujours, je maintiens bien le rail. Et avec l'outil de découpe, je m'arrange pour que le rail soit bien droit. Mmh.
Voilà, mon rack est prêt. Si par mésaventure votre rail était sorti des champignons, chose très simple, vous prenez votre rail, vous le coupez à l'endroit où le champignon est sorti, comme ceci, vous retirez les traverses et ensuite vous les remettez en place avec les champignons. Voilà, et vous enfilez. Alors mon rail est coupé, les éclisses sont en position, le dernier petit champignon a été retiré pour faciliter le passage de l'éclisse. Ici, j'ai rattrapé la jointure du rail. Donc maintenant, je vais pouvoir appliquer sous le rail la colle blanche. Maintenant, je vais en coller mon rail. Donc, je prends mon rail, je le déplace doucement, précautionneusement, comme ceci. Voilà. Si je peux le surélever, c'est encore mieux. Voilà. Je prends ma colle. Je fais un tracé en mettant un filet de colle vinylique à l'endroit où sera positionné mon rail. Je prends un pinceau et j'étale la colle blanche. Alors, il faut en mettre suffisamment pour que le col, le rail puisse coller, mais pas trop pour que la colle ne déborde pas et qu'elle aille sur les rails. Au séchage, la colle blanche va devenir transparente. Je vais positionner mon rail. Mettre provisoirement mes épingles. Puisqu'après je vais bien le repositionner, le rail flexible, pour qu'après il ait la courbure définitive désirée. Là, je pousse le rail pour récupérer le jeu entre le rail qui est déjà fixé
et celui en cours de fixation. Voilà. Et là, je vais parfaire ma courbure. En mettant beaucoup plus d'épingles. Donc pour le rayon, comme j'avais déjà bien coupé mes largeurs de liège, il me suffit de suivre la courbe pour que celle-ci soit uniforme. Et pour le maintien du rail sur le liège, j'ai pris des pots de yaourt que j'ai remplis de plâtre et je les pose sur le rail pour que ça fasse pression et que ça puisse adhérer et coller parfaitement au liège. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, pour faire des voies vraiment bien droites, j'ai acheté deux petites tringles comme ça, hein, en forme de U, des petites goulottes. Elles font un mètre chacune, et en fait, ça m'a bien aidé ce petit système pour pouvoir faire ma gare cachée avec des voies bien droites et bien rectilignes. Alors en fait, j'ai acheté deux petites équerres goulottes comme ça, et j'ai trouvé une petite barre d'un mètre en acier en forme de rond. Donc en fait, je suis parti là-dessus, et la petite tringle ronde, elle s'imbrique pile poil dans la première tringle, et quand je mets la deuxième au bout pour les juxtaposer, hop, en fait, avec le système de tringlerie, ça me permet de pouvoir aller jusqu'à mes voies les plus longues, qui sont droites, 2,50 m. Alors quand je prends cette barre-là, et ben, en fait, je la pose sur ma voie qui doit être droite. Donc là, je la mets en début de courbe. Et je l'allonge jusqu'au bout. Et du coup, ça me permet d'avoir vraiment une voie bien droite. Et après, même système que l'encollage de voie. Une fois que c'est bien droit, une fois que j'ai mis ma colle, je refais mon petit tracé, je remets bien droit, je mets mes épingles, j'attends que ça sèche. Et après, ma voie est bien droite. En ce qui concerne l'encollage des aiguillages, c'est le même système que les rails, mis à part que, en fait, il faut bien faire attention de ne pas mettre de colle au niveau de l'aiguille qui est mobile,
et également au niveau du petit mécanisme, parce que si vous bloquez le mécanisme, vous ne pourrez plus utiliser le guidage. Si vous comptez également mettre plus tard un moteur d'aiguillage, voilà, on voit ici, hein, comme ceci, ne pas oublier de faire un trou au préalable avant le collage, ce qui permet de pouvoir coller l'aiguillage sans souci et après de ne pas avoir de problème pour le mettre. Au niveau des trous, les trous pour pouvoir passer la tringle du moteur d'aiguillage, c'est du 6 mm. Voilà. Donc vous ajustez ça, vous faites votre trou, enfin vous avez fait votre tracé et après vous mettez votre aiguillage en place que vous pouvez en coller. Alors pour poser de la double voie, il y a quelques petites particularités à respecter. La petite particularité, ça s'appelle l'anthrax. Alors qu'est-ce que l'anthrax? L'anthrax, c'est en fait quand vous posez une double voie, que ce soit en gare, en pleine voie ou en courbe, il y a des critères à respecter. Ces critères, vous pouvez les retrouver sur un site qui s'appelle le site de la MOROP, où vous trouvez différentes fiches, notamment la fiche NEM 112. Alors NEM, ça veut dire Norme Européenne de Modélisme. Et là, vous trouverez un tableau. Et dans ce tableau, c'est expliqué les anthrax minimum qu'il faut utiliser pour pouvoir poser vos rails. Donc l'anthrax, c'est quoi? L'anthrax, c'est la distance entre le centre de deux rails. Voilà, donc c'est cette distance d'ici à ici. Donc en pleine voie, en N, on aura 25 mm. En gare, on aura 28 mm. Et en courbe, ça dépendra de rayon de courbe. Donc moi, en l'occurrence, je suis à 300, entre 300 et 315. Donc ça veut dire que moi, l'anthrax, en fait, ça sera à peu près 30 mm. Donc pour ceci, j'ai fabriqué un gabarit pour mes anthrax. Donc voilà mon petit carton. Ça, c'est mon anthrax pour les gares. Donc, vous voyez, j'ai mis la distance ici. C'est-à-dire qu'entre là et là, j'ai 28 mm. J'ai fait la même chose pour mes rayons de courbe qui sont de 30 cm, hein, 300 mm. Mon anthrax, il est là et là. Et pour la pleine voie, pour 25 mm, mon anthrax, il est là. Et là. Donc ici, j'ai fait des petites découpes, ce qui me permet de pouvoir prendre mon petit carton et de le poser sur les rails. Ça rentre dans les encoches et comme ça me fait le bon écartement. Allez, on voit tout ça tout de suite. Mon liège a été encollé, ma voie est prête. Donc là, on va positionner la voie. Voilà, on fait suivre. Voilà. Je prends mon carton d'anthrax, donc ici je suis en courbe, donc je vais utiliser celui-ci. Donc je positionne mon encoche, et comme ma première voie, la voie du fond, est fixée, lorsque j'appuie dessus, les encoches vont être suivies par le deuxième rail, et ça va se positionner tout seul, avec le bon écartement.
Là, j'arrive en pleine voie. Je sors de la courbe. Donc, je prends mon anthrax pleine voie. Je positionne mon encoche. Et je fais filer mon rail dans les encoches jusqu'à la fin du rail. Voilà. Comme ceci. Bon, le bout, je ne l'ai pas encollé, puisque ça me permettra de pouvoir mettre le deuxième rail. Alors, j'ai mis mes épingles. Je vous montre le résultat. Parce que la petite vidéo d'avant, avec une seule main, c'est pas forcément pratique. Donc là, vous voyez mon anthrax est parfait. Donc là, j'ai du 25 mm. Là, j'ai mis une petite transition à 28 qui est anthrax gare. Et dans ma courbe, je suis à 30 mm. Il me reste plus qu'à mettre mes pots de yaourt plâtrés pour avoir du poids, pour que ma voie adhère bien au liège. Voilà, c'est terminé pour l'épisode 2. Donc j'espère que ça vous a bien plu et que surtout ça va vous aider dans vos travaux. Donc on se retrouve à l'épisode 3 où le sommaire de l'épisode 3, on parlera d'un réseau analogique et numérique, donc on traitera des différences entre les deux, et on parlera également de l'électrification de la voie. Allez, à bientôt, merci, bye!